T'as la caméra qui sera là. Ah oui, je fais comme ça. Comme ça, toi tu peux pas noter avec. Ah ben non, ça va, j'ai rien à craindre sur le. Ah, ça te fait une. Tu peux avoir une hauteur optique de 2,80 à peu près. Alors vas-y, descends-moi doucement déjà. Avec ça, tu fais au palier. Donc tu n'as pas à la hauteur du palier. Si tu arrives à hauteur d'un personnage sur au palier. Le palier. Alors du coup, j'ai peut-être pas besoin de la grosse. Mais le palier intermédiaire, pas le palier du haut. Ah d'accord, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. On regardera. Mais avec ça, je pense que tu peux faire des ponts sur le palier intermédiaire. C'est bien, c'est parti. Par contre, elle est un peu haut d'achat. C'est toujours un peu compliqué quand elle intervient au milieu d'un truc, parce que ça casse un espèce de choses qu'on s'est racontées. À partir du salon, il voulait voir l'entrée, l'escalier, la chambre du père. On était parti sur une base sombre en fait, au départ vert, mais vert sombre, de sorte que ça puisse être un fond sombre et que les comédiennes soient vraiment mises en valeur. Comme il voulait un tissu gaufré, on a pris du velours, et le velours c'est un tissu qui absorbe énormément la lumière, et du coup tout sortait noir, donc catastrophe. Et donc on a changé notre fusil d'épaule et on est revenu vachement plus coloré. En fait on est parti sur une maison bourgeoise, assez provinciale a priori, mais il fallait pas la situer dans une région particulière. Donc pour les volumes, l'architecture du lieu, le mobilier, je me suis un peu inspiré des demeures anglaises des fin 19e, début 20e. On est en 53. À cause des costumes, en fait. On est parti en 53 pour les costumes, parce que c'était plus intéressant que la fin des années 50. D'autre part, la bourgeoisie de ces années-là était plutôt d'un classicisme, alors, surtout en province. Il y a du mobilier des années 40 qui est assez décoratif, justement qui changeait entre les années 30 et les années 50, qui sont des mobiliers un peu d'architecte, qui sont assez droits, de forme simple. C'est assez kitsch en fait. La salle à manger, c'est typiquement, ça fait un peu, c'est un peu ce genre de mobilier. Le losange, c'est un truc qui revenait assez fréquemment. Donc le tissu qui est dans le séjour, c'est pour le motif. Action. Tu regardes vers la cheminée. Tu vas vers la cuisine. Vous approchez. Oui. Vas-y. Qui est-ce? Oh, mais c'est Catherine. Allez. Non, mais attention à la maison. C'est pas possible, cette gamine. C'est la pression de Rastenu. Oui. Qui est-ce? Catherine. Ma petite Catherine. Oh. Enfin, attention, mes jambes. Oh, pardon, mamie. Oh, c'est pas possible. Cette gamine est survoltée dès le matin. Tu préférerais qu'elle soit neurasthénique, comme Augustine? Alors, tu m'apportes un cadeau pour Noël? Des chocolats anglais. Eh ben, tu t'es pas creusé la cervelle, hein? Et tournez dans l'autre sens. Arrêtez-vous face à face. T'es un peu grosse. Ah bon? Non, je crois pas. Enfin, ça doit être les muffins. Au fait, il est où, papa? Il est pas réveillé. Quel flemmard. On va aller faire sa fête? Catherine! Vas-y, répète. Catherine, on ne parle pas comme ça, ton père. Un peu de respect, tout de même. C'est seul homme de la maison. Action! Mais je respecte mon père. Papa, 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 papa.
Action. Ciseaux. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il m'a ramené en pièces détachées. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Non. Tout le monde est prêt? On y va. Silence. Moteur. Le plaid, Daniel. Voilà. Je prends. Comme ça, c'est bien. Voilà. Oui, c'est mieux. C'est plus joli. Moteur. Moteur. 5 sur 1, 3e. Action. Je suis contente d'être de retour à la maison. Ma chère vieille maison. Oh, ta chère vieille maison. Avec toute cette neige qui est tombée, on se croirait au fin fond de la Sibérie, coupée du monde. C'est un ennui à mourir. C'est une vraie perle, j'en suis ravie. Quelqu'un qui accepte de s'enfermer comme ça. Ou... Enfin, je suis désolée, mais moi je me suis plantée tout à l'heure. Ça m'a fait un peu perturbée. On y retourne. En plus, j'entends maintenant un avion. Vous entendez quoi? Un avion. Action. Je suis contente d'être de retour à la maison. Ma chère vieille maison. Oh, ta chère vieille maison. Avec toute cette neige qui est tombée, on se croit au fin fond de la Sibérie, coupée du monde. C'est un ennui à mourir. Coupé. Tu parles d'une chance, Daniel. Tu parles ah d'une oui. chance. Non, mais ça passait. Ah oui, tu parles d'une chance. J'ai l'impression que je me trompais. Tu refais un regard sur Catherine et tu reviens tout de suite à ta tapisserie. Ah bon. Juste un petit regard, que ce ne soit pas trop appuyé. Allez, coupé. Parfait, celle-là. On en fait une de sécu et c'est parti. Allez, on s'y remet. Heureusement qu'il nous reste encore le téléphone et la voiture. Ah, je te présente Louise, notre nouvelle femme de chambre. Bonjour Louise. Bonjour mademoiselle. J'espère que mademoiselle a fait un bon voyage. Oui, très bon, je vous remercie. Sauf qu'elle a toute cette neige. Quand devrais-je, madame, réveiller monsieur? Oh, pas tout de suite. Et si j'y allais moi? Non, ma chérie, ton père a demandé à se reposer, on va pas le réveiller maintenant. Madame a-t-elle besoin d'autre chose? Non, merci Louise. Coupé. Très bien. Il y a eu un grésillement? J'ai entendu un grésillement. Ah ben moi j'ai entendu un grésillement. On en fait une tout de suite peut-être. Daniel. Nous t'aimons tous profondément, c'est là que tu es arrivé. Tu arrives, tu ouvres la porte et tu dis saison. Suzon, t'es arrivée? Suzon, non. Suzon, oui, oui, Suzon, t'es arrivée. Oui. Chanel, ma grande Chanel, et oui, toujours si grosse. D'accord. Je la prends dans les bras. C'est bien, peut-être que tu la portes. Hein. Action! Tu laisses la porte ouverte pour ta mère. Peut-être que tu regardes, tu jettes un petit coup d'œil. Tu arrives là, tu poses tes bagages ici. Et tu vois mamie, et là tu arrives sur la pointe des pieds. Voilà. Mamie. Voilà. Non, pas dans ça. Mais mets-toi un peu à genoux. Tu dors, mais t'es fatiguée? Bon, je m'en pose un petit peu. Je suis contente de te revoir pour Noël. Et moi, donc, ma chérie. Comment vont tes jambes? Bon, ça dépend du jour. Oh, ma Suzan. Chanel. T'es arrivée. Ma grosse Chanel. Eh oui, hein, toujours aussi grosse. Oh, que t'es épouvantable. Firmine et Virginie, vous oubliez pas que vous avez des choses à vous cacher, c'est que vous avez toutes les deux vu le père.
Donc, ah bon, papa n'est pas. Enfin, tu vois, oui, qu'on sent déjà un petit truc. Et toi, aussi, quand tu dis travaille tant, on sent un petit truc un peu bizarre. Que déjà, il y a anguille sous roche. Oui, déjà tout le monde. Il a dû travailler hier dans sa chambre, Oui, tu parles. Ça, c'est, je pense, à Louise. Oui. Quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Oui. Tu respires plus, hein, Fabien. Action. Ouvre les yeux. Ferme. Attention, bouge pas la bouche. Ouvre très fort. Coupez. Très bien. Et là, tu regardes un petit peu autour comme si elles étaient toutes au-dessus de toi. C'est vrai, ici. Il y a mamie. Mamie. Là, je suis pas protégé. Ouais, là, c'est bon. Madame Chanel. Oh mon Dieu. Elle est morte. En tout cas, maintenant, nous sommes sûrs. Mais sûrs de quoi? Que l'assassin, c'est pas elle. Ça, c'est sûr. Et là, vous vous regardez toutes. Bravo, ah. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Alors, à côté, là, il faut être beaucoup plus bas. Complètement à droite. Ouais, complètement merci. À ma droite. Très bien. Un seul. Ouais. Un peu plus bas, Virginie. Et un peu plus avancé aussi, Virginie. Tu peux être un peu plus avancé et plus bas, voilà. Et Daniel, tu baisses un peu moins. Ouais, voilà, ensuite. Comme non, ça. Merci. Ah, on va la tourner. Ah, mais voilà. Tu vas pas mettre trop longtemps, voilà. Ça tourne. 39 sur 11, première. Action! Madame Chanel! Oh! Mon Dieu! Madame Chanel! Oh! Mon Dieu! Elle est morte? Est-ce qu'elle savait? En tout cas, maintenant, nous sommes sûrs. Mais sûrs de quoi? Et que l'assassin, ce n'est pas elle. On ne sait jamais qu'on allait avoir un casting pareil. En fait, le fait que Soulsa soit sorti, qu'il ait eu une presse énorme sur Charlotte, que le film soit un succès, du coup, ça légitimait toutes les actrices de travailler avec moi. Mon idée, c'était de refaire Woman de Cukor, où il n'y a que des stars. Mmh. Et donc, c'était... soit il y avait des stars, soit il ne faisait pas le film. Moi, j'étais sûre de Deneuve que ça marcherait. Mais sûre, j'étais sûre parce que grâce à François, quoi. Ouais. J'étais sûre qu'il la convaincrait. Et que ça se passerait très facilement, qu'elle serait séduite, que tout ça. Bon, Deneuve, il y avait des problèmes de disponibilité. Ouais. Du coup, après, il y a eu beaucoup... Après, bon, on voulait attendre quand même les réponses, enfin, sa réponse surtout, pour contacter Huppert. Ardan, il était quand même pratiquement sûr que de toute façon c'était le meilleur choix pour le rôle. Huppert aussi, mais vraiment c'était par rapport au fait de lui proposer ce rôle-là, quoi. Et elle, ça l'a amusé finalement. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Le truc aussi, c'est qu'elles sont intelligentes, elles savent ce qu'elles dégagent, elles savent qu'elles ont tout à gagner, à même à jouer sur leur image et à se moquer d'elles-mêmes. Je pense que les actrices sont plus intelligentes que les mecs. Qui ont une haute idée d'eux-mêmes, les actrices sont prêtes à prendre plus de risques. On n'est pas prêts. Elle a trop. Je vais voir si t'es assez particulier là. Ouais. Ouais. Et là, il y en a une qui arrive. Lâchez-la.
Voilà. Et donc, il y en a d'autres qui viennent la prendre, elle, on la retient. Et l'autre, elle la tient, vous ne devriez pas, voilà. Genre de camp. La pauvre sœur. Ah, mais je sais, c'est ça, hein. Ouais. C'est toi, Gabi. Mais je sais, c'est toi, Gabi, qui a volé les titres pour les autres et je ne sais qui. Rendez-moi. Rendez-moi. Bon, alors donc là, on va répéter la bagarre. Oui. On va répéter la bagarre. Ah, mais je sais, c'est toi, Gabi, qui a volé les titres de maman pour les offrir à je ne sais qui. Rends-les-moi. Ah, non. Ça, c'est bien que ça dure un petit peu ce moment-là. Voilà. Du coup, voilà. Et là. Et là. Et les autres. Et Emmanuel intervient à ce moment-là, de toute façon. L'axe. Voilà, un peu moins. Voilà. Top. Donc, la bagarre. Emmanuel, tu viens. Puis on repart un peu par là. Vous devriez pas vous abaisser à vos cheveux. Écoutez, les bouts de ce qui vous garde. Voilà. Ah oui. Non, parce que vous sortez là. Ah bon? Mais oui. Mais maman, vous ne devriez pas vous abaisser à tout touche. Ah, mais les bouts qui vous regardent. Oh. Mais comment osez vous cracher sur madame? C'est tout ce qu'elle mérite. Mais crache là pour ses mensonges. Mais arrêtez de vous comporter comme des enfants. Tais-toi. Papa est mort. Ma pauvre sœur, ça, tu vas me le payer. Oui, c'est vrai, t'as raison. Écoutez, maintenant c'est fini, vous ne bougez pas d'ici. Personne ne bouge, je vais chercher la voiture. Mais, madame, vous, votre sac, vos clés. Augustine, tu devrais avoir honte. Coupé. Oh, mon Dieu! C'est le psychodrame pour Jimmy. Oh non! Une belle bague. Mais tu m'as fait mal, moi, c'est moi. Non, mais j'ai cru que je t'avais envoyé la bague quelque part. Non, mais je n'avais pas envie de la bague. C'est Catherine qui perdait son souffle. Mais en même temps, c'est vrai que ça marche en point large. Hein. Si je peux le garder en point large, je préfère le garder en point large. Ce qui est plus drôle, parce que tout d'un coup, il n'y a pas de tricherie. D'un coup, on y croit. Attends, tu peux recommencer depuis le début. Donc, alors, t'es avec le revolver, il sera pas comme ça, plus non. C'est un petit revolver de femme. C'est pas un... Donc, elle pointe pas comme ça, elle pointe là. Elle sera comme ça, en général, c'est comme ça qu'on fait. Plus âgée que je tire. Vas-y, il tire. Elle peut te grandir. Liquidez-moi comme vous avez supprimé tous les autres, ceux qui vous gênaient. Alors là, à ce moment-là, moi, je me précipite sur ça. Alors, et Catherine, le fait qu'elle vous morde, vous lâchez le pistolet, ah, en fait. Ah oui, c'est vrai. Vous lâchez pas ses cheveux. Ah, ah d'accord. Voilà, c'est ça. Vous l'avez tout le temps. D'accord. Voilà, elle vous mord. Ah, sur les larmes, vous la reprenez à la gorge. Voilà. Exactement. Et là, voilà. Pas un geste soupir. Et là, je coupe. Voilà. Tout ça a craqué. 49 sur 12, deuxième. Action. Voilà. Action. Arrêtez ou je tire. Allez-y, tirez. Un peu de cran, tirez. Et quittez-moi quand vous avez supprimé tous les autres, ceux qui vous gênaient. Coupé. Ça marche bien, les épaules. Très bien. C'est coupé, merci. Oui. Moteur.
Le silence, s'il vous plaît, moteur de monte. Le rouge. Je vais le remonter. Il est là. Une petite seconde. Alors, qu'est-ce qu'on attend encore? Voilà. Si tu restes là, Nine, c'est bien. Matt. Ça allait, Jeanne, le mouvement, là? Hein? T'as un gars? Tu vas vite, puis des moments tu vas lentement. Faut mettre, t'es gentil, je fais ce que je peux. Alors attention, tout le monde en place. Hervé. C'est le moment. Moteur. Ça tourne. Action. Vas-y, Hervé, avance. Putain, c'est pas grave. T'arrives, la biche? Aide-moi. Elle est où, la biche? Laisse-la sortir! Oh putain, oh putain. Coupé. Si tu veux pas quand même qu'on passe après, tu vas pas assurer sans biche ou... Si, si, on en fera une sans biche, oui, bah oui, bah oui, évidemment. Il n'y a pas de la musique, là, je suis sûr que la musique, ça marche. Vas-y, tourne-moi un peu plus vite. Regarde. Ah, elle se balade, la bébête. Coupée. Remets-toi en même temps. Attends, laisse-moi la biche. J'ai pas la grue. Laisse-moi la biche, là. Il y a des ombres. Il y a des ombres. Il y a des têtes, là. Ah, là, je vois. Bon, allez, on s'y remet. Bon, allez. On en fait une dernière et après, on va se coucher. Bon, allez, ça suffit, Catherine. Je t'ai repassé un pantalon dans la lingerie. Va t'habiller correctement. Oui, j'y vais. Mais je crois que tu nous caches des choses. Ta soeur n'a aucune éducation. Heureusement que t'es pas comme elle, ma Suzanne. Que veux-tu, ma Chanel? Nous avons deux caractères différents. Et puis Catherine est si jeune. Si ta mère était un peu plus autoritaire... Chanel, est-ce que Louise travaille bien? Sur cette fille, je vais te dire une bonne chose. C'est une là, coquine. Très bien que tu lui dis tout bas. C'est une coquine. C'est une coquine. C'est une coquine qui peut faire ça, ça, ça. Fais ton espoir. Avec l'espoir de coucher. Avec l'espoir de coucher. Avec ma patronne. Quant aux autres. Quant aux autres? Voilà. Et là, où? Dis-moi, Chanel, cette fille Louise, elle travaille bien? Sur cette fille, je vais te dire une bonne chose. C'est une coquine qui passe de place en place avec l'espoir de coucher avec le patron. Quant aux autres? Quant aux autres, bonjour, monsieur. J'ai rarement vu ça parce que c'est un garçon, il sait tellement ce qu'il veut sans en avoir l'air, il a toujours le sourire. Je n'ai jamais entendu donner un ordre, enfin, à haute voix, un peu énervé, et tout ça, c'est vraiment... c'est paradisiaque, ce film. C'est drôle. En fait, c'est un film assez méchant, et on est absolument au ciel, on est ravis. À la fin, il faudra hurler, Daniel, hein. Ah oui, parce qu'elles vont tout arriver. Oui, oui, oui. Ah, on refait une répète? Vous venez ici? Mais du coup, je vais peut-être tout avoir, hein. J'ai tout à voir dans le même plan, en fait. Je vais avoir toute ma nuit, comme ça, on fait tout d'un coup. On est rentré dans ma chambre et on m'a volé. Quelqu'un qui connaissait la cachette. Sans ton mari. Comment le sais-tu? Mais mamie, je crois que tout le monde le sait. Tout le monde? Mais quelle bande de voleurs! Voleurs! À l'assassin! Voleurs! Très bien. Alors,
On prépare ça, t'as vu Jeanne? Elle part d'où? Donc elle part d'ici, on commence sur Daniel, qui va descendre tout doucement, comme ça, son truc. Là, elle va écouter, elle va dire quant aux autres. Quant aux autres? Donc alors, bien. Hervé, bon, oui. Tu me mets un rail donc ici. C'est les comédiens de 5 minutes. Oui. Donc on commence ici. Et on va venir. On va venir ici, je pense. Là. Il est imposé, il m'a dit garder un peu. Non, pas plus loin. Ici, là, juste. Là. D'accord. On va se mettre au 40, Benoît. Alors attention, silence. Moteur. Moteur. Ça tourne. Va juste sur un quatrième. Action. Alors, tu vas voir un petit enfant? Oui. Comment il est ton fiancé? Il ressemble à papa? Non. Il est grand, blond, avec des yeux verts. Coupé! C'est coupé, merci! La neige a changé pendant la prise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. Pa, 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 pa. Et après, on fait juste. Pa, un pas. Pa, pa. Non, on fait plus les trucs comme ça, on fait plus. Pa, pa. Pa. Pas, pas. Et donc à chaque fois c'est le main, la main, la main différente. Moteur. Action. Il est grandement avec des yeux verts. Ça va pas, Isabelle, en fait. Le courage, ça va pas. Bah, parce que courage, ça voudrait dire que vous êtes chiante. Elle, elle dit pas qu'elle est chiante. Ça veut dire que vous êtes deux emmerdeuses. Non, il a eu du courage de nous héberger malgré la volonté de ta mère. Ah, bah, c'est ça qui va bien. Bien sûr. Il a eu, eu la gentillesse, peut-être. Oh non. Mais non, il s'est affronté à sa femme pour nous héberger. On comprend ça. Oh, bah, bien sûr. Bah, je crois. Tu as pas, c'était nous avoir hébergé malgré la volonté. Ah oui. Ah, peut-être faudrait commencer. Malgré la volonté de ta mère, il a eu le courage de nous avoir. Peut-être il faut inverser. Isabelle, on va commencer. On se met en position de début. Vous êtes ici, vous partez de là. Elles sont là, les filles. Vous avancez ici, Isabelle. Vous remettez vos machins ici. Choc. Peut-être vous baissez comme ça, vous jetez un regard et vous commencez à jouer. Alors silence, s'il vous plaît. Chut. Tout le monde se pousse là. Vous regardez les filles et vous commencez. Et nous, on s'avance. Thank you.
Tous ces mots qui font peur, quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever. Et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi. Nous allons me connaître. Préparez votre temps pour vous. J'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. La 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 la. Non, et avant de repartir. Et vous attendez qu'il soit fini pour le repartir. On aurait dû les séparer, les la-la-la. On les a pas séparés, les la-la-la. Par contre, mets-le très fort pour qu'elles entendent. J'ai peur que tu sois saoul. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime. Peut-être. Mais... Oui, oui. Vous enlevez vos lunettes, là. Là ? Voilà. Musique. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Alors mets-moi plus proche. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Vous avancez la première. C'est ça qui est par là. Toi, Emmanuel, t'es un petit peu derrière. Alors, toutes ces... Est-ce que vous pouvez vous mettre en groupe, s'il vous plaît? Non, non, mais dites-moi où elles sont. Elles sont là, là où est Agathe. Voilà. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La voiture ne démarre pas, tous les fils de moteur ont été coupés. Ce qu'on va faire, Catherine, c'est que vous le dites beaucoup plus tard. Moi, comme je suis assez loin de vous, que vous ayez le temps, déjà, d'écouter un petit peu ce qui se passe. Et tout d'un coup, vous les surprenez. Mesdames, j'ai une mauvaise nouvelle. Vers ici. Le texte pas avant ça? Oui. Non, parce que vous écoutez ce qu'elle dit. Parce que moi, je voudrais vous mettre en off et vous en profiter pour écouter ce qu'elle vous raconte. Vous allez dire qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mesdames, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La voiture ne démarre pas. On a coupé tous les fils de téléphone. On vous demande bien qui? Du moteur, Catherine. Quoi? Du moteur. Du moteur. Qu'est-ce que j'ai dit? Du téléphone. Voilà, je vois pas. On a tous les fils du téléphone. Du moteur. On a tous les fils du moteur. Et on se demande bien qui. Qu'est-ce que vous insinuez, Louise? Mais rien, madame. Rien de particulier, c'était juste une question. Donc vous êtes très surprise qu'elle vous parle sur ce ton, parce que d'habitude, elle était toujours très respectueuse. Mais du coup, vous la traitez de manière assez agressive et assez autoritaire. Surtout qu'en plus, vous êtes de très mauvaise humeur avec les fils du... les fils du moteur. C'est les fils du moteur, cette fois-ci. Ouais. Bon, on refait une répétition. Ouais. Oui, Louise, tu fermeras la porte derrière toi. Silence, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... S'il vous plaît. Vous pouvez s'ouvrir la...
annoncer, mesdames. La voiture ne démarre pas. On a coupé tous les fils du moteur. Toi, tu viens la narguer. Un coup dans le vide, tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Donc la narguer, c'est comme ça ? C'est venir derrière elle. Juste derrière elle, comme ça. Ouais. Et tu t'approches un peu anormalement d'elle. Qu'elle soit plus perturbée. Alors peut-être que... Soit trop presque très sage. Oui, on se demande bien qui. Tu vois, plus comme ça, comme tu l'étais. On se demande bien qui. Tu vois, que du coup, qu'il n'y ait pas tout de suite un changement aussi radical. Non, parce que si tu te présentes, on se demande bien. Là, ça, on sent déjà. Ouais, ironique, je n'ai pas mal. Ouais. Un coup, je passe, un coup, je casse. Et moi, je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Il y a les mains près du visage. Il y a ça qui est bien aussi. Oui, pour le début. Ça. Mais je pense que le début, ce qui est intéressant, c'est de le mettre en gros plan, et tout d'un coup, quand tu t'énerves, et tout là, je passe en plan large. Surtout quand tu fais tes trucs, ou tu tapes sur tes fesses, sur les jambes, et tout. Ça, il faut le voir en plan large, ça va faire bien. Vulgaire. Bah, il faut. Il faut que ce soit sexe. Il faut que ce soit sexe. Non, mais c'est bien, c'est que. Sexe, je suis habillée comme ça, j'ai un truc, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui va être surprenant. Moi, je voudrais vraiment que ce soit, tu vois, une provocation sur elle. Oui, parce qu'il faut garder le rythme. Comme dans la scène avec Catherine où je. Ça, ce qu'il faut, c'est que j'ai Isabelle en amorce, qu'on la sente vraiment elle aussi par rapport à toi. Et tu vois, la plupart des chansons que j'ai faites à chaque fois, même quand Catherine chantait par rapport à Philippe, c'était un chant contre chant. Musique. Ça va? C'est bien, la peau, ça restera large, je pense. Je l'ai. Ne la casse pas, Emmanuel. Super. Alors peut-être ça pourrait être avant moi qui étais tant déçu par les hommes. Je veux oublier. Moi qui étais tant déçu par les hommes, j'ai souvent préféré les bras tendres d'une femme. Alors, croyez-moi, l'amour entre deux femmes n'a rien de choquant. Oui, c'est mieux. Oui, tout à fait. Croyez-moi, l'amour entre deux femmes n'a rien de choquant. C'est même un plaisir que vous devriez essayer pour vous laver des hommes. Les hommes vous ont donc fait tant de mal ? Oui. Même Marcel ? Surtout. C'est pas mal, oui. Parce que dans l'autre, il y a plus un côté diatrique. Oui, c'est Marcel. Pourquoi Marcel ? Oui. Le seul parent, oui. Et du coup, c'est vraiment que Marcel. Et moi, ça me permet, en plus, ça m'arrange parce que je pourrais montrer des images de Marcel avec vous à ce moment-là, dans la chambre, des choses comme ça. Vous allez lui dire, tu me donnes pas l'argent, je te tue. Vous allez lui dire à Marcel. Oui, va me filer des bifes. Oui. On les a bien entendus, si tu ne me donnes pas, ça part sans tout de suite. C'est important qu'on le mette, ça. Hein. Oui. Et moi, j'adore cette phrase, quand vous n'avez pas. Car quand on aime ça dans le pétrole, ben, ça se paye. Ah. Allez. Tout ce que vous dites vous accuse. Ouais, non. La vache, elle est venue.
Vous pensez que je suis innocente? Oui. Alors François? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Catherine finit de s'habiller. Après, il y a un carreau de maquillage. Vous la voulez entre les deux pour les mettre en place. Elle finit de s'habiller, vous faites la mise en place, elle repart se maquiller ou vous attendez la totale? Qu'est-ce que je fais? Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Elle est pas prête? Faire la mise en place. Oui. Jeanne, je voudrais qu'on fasse une mise en place, puis encore un quart d'heure de maquillage sur Catherine, et après, comme ça, tu peux faire tes trucs. Ouais. D'accord, alors faisons une mise en place avec Catherine et Fanny. Par contre, plateau un peu vide, si vous voulez. Donc Catherine, la fin de la chanson, vous étiez ici, vers là, par là. Oui, j'étais là, par là. À peu près ici. Donc je commence sur l'étole. Fanny, vous la ramassez, vous venez la mettre sur Catherine, et vous commencez le dialogue en même temps. Voilà. C'est moi qui parle? Oui. Je me demande comment un homme peut vous aimer, alors qu'une femme... Ah oui, oui, oui. Et que vous, vous l'entendiez à l'autre, vous l'entendiez de l'autre manière. Wow, ça serait vraiment... Ah oui, je vous aime tellement. Oui. Mais moi, je voudrais jouer comment un homme fait... Pour vous aimer. Pour vous séduire, quoi. Pour vous séduire. Oui, bah oui. Comment il faut se faire... Oui, mais oui. Pour vous aimer, se faire aimer de vous. Oui. Alors, et vous me comprenez mal? Parce que vous dites du don. Mais parce que Camille est une idiote, c'est une grosse fouille, Gabi. Mais que Pierre est moche quand même. Qui sait qu'elle est parée de tout? Alors, vous êtes parée en paix. Alors après, moi, je réponds, mais le vie chez un homme... Oh, mais à Marseille, ça arrive, des trucs comme ça, disait. Hé, rentre-toi chez toi, des trucs comme ça, mais bon... Si on avait dit qu'il y a des recos... C'est quoi? Le déco, c'est que pas les Marseillais, alors... On est mort de la salle, mais vous, je fais mon métier. Qu'est-ce que vous voulez que vous chante, alors? Yang? C'est un méchant. Oui. Mais c'est très méchant dans le midi, hein. Oui, mais quand ils aiment, ils aiment. Ah oui, quand ils aiment, ils aiment. Ouais. Alors, attention, action! Silence! Silence, on répète. Je me demande comment un homme peut vous aimer. Vous trouvez sans doute plus désirable que moi? Le désir chez un homme n'est bien souvent qu'un vice qu'on cultive, n'est-ce pas? Sans doute comme cela que vous avez donné le goût du vice à Madame Chanel. Et que vous l'avez séduite. Voyez-moi, l'amour entre deux femmes n'a rien de choquant. C'est même un plaisir que vous devriez essayer pour vous laver des hommes. Des hommes? Ils vous ont donc fait tant de mal? Oui. Même Marcel? Surtout Marcel. Le mal fait par les autres hommes, je m'en fiche. Je l'ai rendu, et bien. Le seul parent qui me restait, c'était mon frère. Quand je suis arrivée ici, il a été lâche. Il m'a fermé sa porte, renvoyé à mes aventures. Ça, je n'oublierai jamais. Ah. On ne tue pas la vache à lait. Vous pensez que je suis innocent? Oui, certainement. Oh. Elle était amoureuse de Marcel? Oui. Mais quel type d'âme c'était Marcel? Ah, c'était un homme merveilleux. Un océan d'homme. Oui. Alors, j'avais mon rimétrique pour que les apportes à l'étresse. Pas très beau, mais tellement chiant. Il swingait, Marcel, il dansait bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Je lui demandais parce qu'il a dit qu'il était comme Pierrette, elle est un peu vulgaire sur les bords. Vous avez épousé un homme vulgaire, Gabi? Non, je dirais pas. Alors, on va faire une mise en place. Enfin, peut-être. On va jusqu'à la... Beaucoup de charme. Ça sera la part de très sexy. Oh, hein. Moi, je préfère que ce soit un peu cramé. Ouais, mais on va faire Nicolas à choisir. Tu vois ce que tu veux. Parce que là, ça descendait trop. Moi, je le sentais à l'image. Hein. Moi aussi, je vais dire. Est-ce qu'on fait une répète ou est-ce qu'on se lance direct? C'est pas assez bas. Là. Vous allez être dans un coin. Oui, je suis là. On va tout de suite se lancer. Allez. Un moment sur la tête de mamie. Un moment, il y aura un gant qu'elle recevra sur sa tête, mamie. Il y a un gant de chaque côté, et puis le foulard. Hein? Oui. Alors, Jeanne. Alors, attention, on va y aller. Mmh.
vie sans amour. Mais quand arrive l'addition, il faut payer. Et toi qui es plus fou que moi, tu m'apprends à t'attendre, à trembler de peur et de joie, en espérant ton cœur. On a toutes les possibilités. Donc Fanny vient s'asseoir ici. Il est là. Et Catherine, vous venez à côté d'elle. Merci. Pas pour moi, mais pour vous. J'envoie des dans une enveloppe. Oui. Ah oui. Question de tout le temps. Peut-être qu'il ne faut pas le dire, ça, Fanny, tout de suite. Effectivement, c'est peut-être plus tard qu'il faut le dire. Et que Catherine enchaîne. Combien vous êtes-il donné ? Parce que c'est Catherine qui comprend ça, c'est pas vous. Pour l'instant, vous ne comprenez pas trop. Hein. Oui. C'est Catherine qui. Ah, comme ça, l'enveloppe bleue, elle peut encore rester là. Alors, voilà, en plus. Oui, cet homme avait besoin d'argent pour un voyage à Mexico. À Mexico ? Combien lui avez-vous donné ? 500 000 francs. Cet argent était-il dans une enveloppe, c'est bien ? Vous dites... alors, d'accord. Mais oui, parce que du coup, parce que comme ça, le trou pour Fanny, il arrive plus tard. C'est-à-dire que vous, Catherine, vous comprenez avant elle. Donc ça pourrait être une grande enveloppe bleue. Oui, alors attends, 500 000 francs. Alors, vous dites dans une enveloppe ? Non, alors je ne dirai pas, ça, je dirai plus tard. Ah non, vous pouvez le dire maintenant ? Alors qu'est-ce qu'on a dit quand on dit dans l'enveloppe ? Si, on est obligé de le dire dans l'enveloppe. Ah bon ? On est obligé de le dire parce que sinon on ne comprend plus rien. On a regardé. Pour qu'on comprenne que Pierrette... 500 000 francs et dire qu'il existe dans une enveloppe... Oui, mais c'est 50 billets de 10 000 francs. Ça rentre dans une enveloppe. Non, mais bien sûr, mais pourquoi je demande pourquoi dans une enveloppe ? Vous voyez, c'est tellement... C'est parce que pour qu'elle puisse dire enveloppe bleue, quoi, c'est tout. Non, mais c'est parce que grâce à l'enveloppe bleue, elle comprend que Jacques Farnoux est votre amant. Oui, mais je me demande si ce serait pas bien qu'elle m'interrompe ou je lui dis c'était dans une... Qu'elle me dise dans une enveloppe bleue. Moi, pourquoi je dirais que l'argent était dans une enveloppe, oui, j'ai un grand problème avec ça. Parce que je n'arrive pas, je ne vois pas Jacques. C'est comme si... Bon, Jacques, c'est-à-dire que c'est quand même une fille de l'argent, Pierrette. Hein. Oui. Donc là, tout d'un coup, il faut qu'elle retrouve un truc populaire. Jacques, mon Jacques, vous l'avez folé comme on marche avec votre enfant. Oui, mais je veux dire que justement, c'est pas pratique de pouvoir dire ça. Jacques, mon Jacques, vous me l'avez volé. Il y a quelque chose, je ne sais pas, ça m'est très difficile de le dire en place. Oui. Jacques, mon Jacques, vous me l'avez volé comme Marcel. Alors peut-être que c'est ce moment-là où vous avancez. Moi, je vous ai dans l'avancée plutôt. C'est peut-être ce moment-là, peut-être que... On va jusqu'où dans la scène, là ? On va jusqu'au plus un geste où je tire. Ah bon ? Et vous serez sortis du champ. Donc Catherine, je serai que sur Fanny. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes toutes les deux ensemble, et vous, vous sortez du champ après, cherchez tous les trucs, et je suis sur Fanny. Ah non, vous n'allez pas me dire qui est votre amant. Et vous savez très bien, c'est Jacques parmi la société. Jacques est votre amant ? Mais oui, c'est mon enveloppe, c'est mon argent, l'argent de Marcel que Jacques vous a donné. Ça se terminerait là. Ben oui. Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même sacré. C'est bizarre d'être aussi loin. Alors que c'est quand même énorme ce qu'on est en train de se dire là, quand même. C'est énorme. Bon, alors on va regarder au niveau du. Oui, parce que moi, je peux au moins. Vous avez déjà installé tout ça ? Non, c'est que moi je voulais vraiment faire un champ contre champ sur vous deux après. Peut-être pour ça. Ben oui, c'est pour ça.
Et moi, Pierrette, je pense qu'elle elle réalise petit à petit les choses. Et elle est un peu estomaquée, donc je pense pas qu'elle a... Vous voulez faire un chant contre chant, si c'est quand même important de comprendre quand même comment on sent la scène par rapport à ce qu'on se dit. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais on va regarder, on va voir ce que ça donne. Vous faire le plan à deux. Vous n'avez pas besoin de faire un chant contre chant, non? Bah, c'est-à-dire qu'après, pour la bagarre, je suis un peu obligée, de toute façon. Bah, la bagarre, nous ne parlons pas du plan d'après, non, n'anticipons pas, parlons de ce plan-là. Bon alors, voyons ce que ça donne déjà. Là. Attendez, où je serai où là? Donc en fait, vous serez levé sur votre sac. Alors elle est toute seule et on va se dire ça à l'autre bout du... Ouais, il faudrait que je vous vienne quand même. Oui, c'est mon nom. Mais non, je ne peux pas sortir l'enveloppe tout de suite, parce que sinon on n'a plus le... C'est après, il n'y a plus l'argent. Oui, c'est mon enveloppe. Il faut que Pierrette voie. Oui, c'est mon enveloppe, c'est mon argent. J'ai l'impression que moi, je suis obligée de suivre Catherine. Je me sens en carafe. Mais Jacques, vous me l'avez volé comme Marcel. Ouais, il faudrait que ça soit pas. Bah, peut-être que vous pouvez vous énerver sur place. Effectivement, quand vous vous retourniez, oui. Et après. Jacques, vous me l'avez volé. Vous me l'avez volé comme Marcel, hein, avec votre air tranquille de femme bien nourrie. Avec votre air tranquille de femme bien soignée, hein, sans peur du lendemain. Là, on peut tout se dire maintenant. Hein. Oui, si moi je viens dans le champ. Oui, c'est bien. Oui, moi je suis. Oui, peut-être que ça serait le même truc que moi, je la chercherais. Oui, au moins vous bougez. Oui, et comme ça, Catherine, vous réfléchissez vous aussi à ce qui s'est passé. Vous me l'avez volé, comme mon frère, hein, avec votre air tranquille de femme bien soignée, hein, sans peur du lendemain. On peut tous dire maintenant, hein. Eh bien, moi je suis une bourgeoise ratée, comme vous êtes une putain ratée. J'ai envie de vous arracher les yeux, de vous étrangler. Oh, ça suffit. Eh ben allez-y, tirez. Alors peut-être que Catherine, il faut que quand vous rendez compte le truc de l'enveloppe, vous alliez plus loin. Que vous alliez plus comme ça. Du coup pour Fanny c'est plus facile. Oui mais elle va être de dos. Oui mais c'est. Ça va aller. Ça sera plus mouvement, ça sera plus sans mouvement. Parce qu'après elle peut vous tourner autour, ça peut être. Plus... C'est pas mal parce que regardez. Non mais pourquoi ça c'est surtout que c'est bien dans l'enveloppe. Si je reste trop loin, elle va dire toute la phrase de dos. Non, parce qu'après vous repartirez pour m'échapper. Oui, mais regardez, oui, c'est mon argent. Fanny, vous pouvez. C'est mon argent, l'argent de Marcel que Jacques vous a donné. Bah prenez-le, votre argent, il n'y est plus, etc. Alors, est-ce que. Vous voulez jeter l'enveloppe, en fait, tu vois. Oui, ça, c'est mon enveloppe. C'est mon argent. L'argent de Marcel que Jacques m'a donné. Voilà, c'est à vous. Mais l'enveloppe est vide, l'argent n'y est plus. Vous allez, ça, Pierre. Jacques, mon jardin, vous m'avez volé comme mon frère, hein. Avec votre air tranquille de femme bien soignée. Hein, là, bien nourrie. Bien soignée. Bien soignée. Avec votre air tranquille de femme bien soignée. Avec votre air tranquille. Je pense que si vous prenez bien la caméra en tournant, vous pouvez aller plus lentement. Ouais. Parce qu'on aura bien ces images. Est-ce que c'est cadré comment généralement là? En général, c'est américain. Évidemment, je resserre un peu. Oui, donc taille. Si les pieds, c'est vrai que je peux le faire. Ah oui, au niveau des pieds, ça sent pas du tout. Hein. Ça va sur le beau window, mais par contre, sur la fenêtre. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous voyez quand je fais les jeux? Vous avez la poursuite dans les yeux, vous voyez rien. Voyez, hein. Moteur! Musique, poursuite. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux, des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune. Toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle. Toi jamais. Ils m'implorent, ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Laisse-la où la lune s'en va. Oh,
paix. Très bien. Daniel, on voit pas ton nom. Ah, mon nom, pardon. Virginie.